Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. On vous emmène avec nous dans des lieux de tournage plutôt sympathiques puisque on est tombé, figurez-vous, sur un petit village où ont été tournées plusieurs scènes d'Hercule Poirot, bande de vénards. Et ensuite on a eu, peut-être que vous l'avez vu sur Instagram, des petits ennuis mécaniques. Donc vous allez suivre ça avec nous, ces petits rebondissements. Et enfin, on finit par toujours des lieux de Harry Potter. On n'a pas fini et je pense qu'on en verra encore. Donc je vous laisse avec ça et profitez bien. Bye. On s'est posé sur un parking juste à côté de la ville de la Coque, un peu plus loin. On s'est mis sur un petit parking en béton parce qu'on voulait faire un peu de skate et de trottinette avec Capucine. Enfin bref, on s'est garé par hasard ici. Et juste à côté, il y a un village. Et Marion lisait dans le guide du comptoir en fait que de ce village, en fait, le parking a été construit pour que les gens aillent au village. Enfin, visite le village, exactement. Et Marion lisait le guide du routard et ils disent qu'il y a des films qui ont été tournés. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait? Ni une ni deux, on cherche. Et moi je me suis dit, tiens, il y a la série Hercule Poirot qui a été beaucoup tournée en Angleterre. Peut-être qu'un petit village typique, il pourrait y avoir un épisode. Hop, je cherche, et ben bingo. Un très connu en plus. Et oui, le meurtre de Roger Ackroyd. Donc voilà. Donc je suis en train d'essayer de le trouver pour qu'on puisse regarder quelques scènes et voir un peu ce qu'il y a dans cet épisode exactement, voilà. Donc j'imagine que... C'est bizarre que tu t'en souviennes pas parce que c'est celui qu'on a regardé pendant le confinement. Oh là là. Je l'ai obligé à regarder des Hercule Poirot. On se fait des petits Hercule Poirot que Marion, elle adore Agatha Christie comme vous le savez. Et on se fait les petits Hercule Poirot en vidéo. Wouhou. Donc voilà. Non, c'est pas vrai, on n'en regarde pas beaucoup parce que sinon ça me spoil ceux que j'ai pas encore lus. Donc demain, on va aller visiter ce village en regardant ça. Donc on vous emmène avec nous sur des... Après ces lieux Harry Potter, on vous emmène sur des lieux Hercule Poirot. Eh, on touche un peu toutes les communautés d'âge, nous. C'est-à-dire? Comment vous le comprenez, les amis? Vous êtes plutôt team Hercule Poirot ou plutôt team Harry Potter? Ou les deux? Savoir comment ça se passe cet après-midi avant d'aller visiter l'abbaye, enfin ce matin exactement, j'ai fait quelques repérages sur le film Harry Potter. Donc je regarde les scènes, je regarde où ça se passe, j'essaye de comprendre les décors, etc. Ensuite, je me fais un petit dossier avec tous les endroits de ce lieu. Donc voilà, donc par exemple, hop, là, hop, j'avais tous les endroits de la coque. Voilà, et ensuite on a pris, comme vous avez pu le voir, toutes nos photos à peu près au même endroit, dans les mêmes angles. Hein? À peu près. À peu près. Donc voilà, donc par exemple, je vais vous prendre l'exemple le plus probant et le plus facile. Celui-ci. De la scène où Harry regarde le miroir. Mais la photo que j'ai prise, moi, dans le même angle. Bien sûr, il faut imaginer que c'est un angle de cinéma. Donc, hop, c'est plutôt comme ça, en 16/9. Un truc du genre. Vous mettez la photo très très bleue et très très sombre. Et là, comme par magie, donc voilà un peu les tips et les dessous du tournage de comment ça se passe les photos. Le parking est complètement plein ce matin, était complètement vide hier. On est samedi par contre, donc ça doit jouer. Mais à mon avis, cette ville, elle doit être ouf quand même. Regardez toutes les voitures qu'il y a. Pourtant, moi, sur le plan, ça n'avait pas l'air si sympa. Je pense que tout le monde sait qu'il y a un épisode d'Hercule Poirot qui a été tourné ici, donc forcément. Pour celui qui n'est que de passage, King's Abbot est un endroit amical. Bonjour, donc là c'est quoi Marion? C'est la maison d'Hercule Poirot dans un des épisodes. Mais les gens ça les intéresse pas spécialement, je pense, il y a que moi que ça intéresse. Il a pris sa retraite et il vit ici maintenant, il ne travaille plus à Londres et il a arrêté les enquêtes et il habite dans cette petite maison. Où il essaye d'apprendre le jardinage mais visiblement ça le gonfle. Et comme par hasard il y a un meurtre. Exactement. Et les méchants habitent dans la maison juste à côté là. Ben non, mais le dis pas n'importe quoi si les gens... tu viens de dire qui c'était le tueur. T'as dit que... On va y aller, c'est d'abord.
d'abord le tour. Là, ils discutent à un moment donné, hop, et ils sont ici à un moment donné, pile. Alors, ça te fait quoi d'être là où Roger Croy est mort? Je trouve que c'est sympa de marcher dans les pas de David Sechet. Si vous ne savez pas qui est David Sechet, c'est complètement normal, personne ne le connaît. Sauf les fans d'Hercule Poirot, bien évidemment. Non, mais... Vous êtes à la retraite, vous regardez la télé entre 15h et 18h, vous le connaissez sûrement. T'arrêtes de me mettre la honte. Allez. Ah, ouais. Mais il est à l'intérieur. On peut aller jusqu'à la limite, en tout cas. Oui, non, mais après, c'est pas très très grave. Oh, vaut mieux y aller, Marion. J'aimerais bien que tu vois tous les moments importants de tes téléfilms préférés. Ça veut dire qu'après, on va pouvoir se faire Barnaby. Je rigole. Enfin, un petit peu, je rigole pas aussi. Et c'est ici. Wouh! Il est à l'intérieur et ils vont partir par là-bas. Je sais pas, je crois qu'il est dans la maison du commissaire ou je sais pas qui. J'en sais rien, mais le gars il a fait des recherches de dingue hier soir alors que moi j'ai juste dit c'est rigolo, viens on va marcher. Je me rappelle à peu près de l'épisode. Et lui veut faire toutes les photos de tout, même quand Hercule Poirot fait son lacet. Moi j'aime bien chercher les petits détails, c'est ça qui m'amuse en fait. C'est pour vous dire à quel point il est quand même méticuleux. Hercule Poirot il fait plein de choses bizarres. Il fait quoi? Il fait caca sur la tête. Hélène, côté please, put your money. Ah, t'as le droit de prendre des trucs et tu potes ta monnaie. Donc là, on se dirige vers quoi, Marion? Le pont du... Le pont du... Du début. Ah, d'accord, je croyais qu'il y avait un nom particulier. Oui, c'est le pont d'ouverture de scène de l'épisode. Voilà. Ah, elle met son petit chapeau et tout, la fille. Ah, ça fait joli comme photo. Ce qui est fou quand même, c'est que il a rien de spécial ce pont et qu'il y a quand même des gens, genre les Chinois, ils sont venus. Elle avait préparé une robe, elle avait préparé un chapeau pour prendre sa photo quand même. Ah. C'est quand même... Je te l'ouvre. Oui. On s'est pris des petits sandwichs. J'ai pris des petits sandwichs tous les deux. Toi, t'as pris une petite tarte. Là, l'intérieur est fermé. Telle une enquêtrice, Marion a mené l'enquête pour savoir pourquoi ce village était si populaire. Mais et oui. Telle Hercule Poirot dans Agatha Christie, elle a réussi à résoudre l'énigme. Elle va vous expliquer ça. En fait, il se trouve qu'il y a de nombreux films qui ont été tournés dans ce petit village parce que figurez-vous qu'il est intact, il n'a pas bougé, il est en l'état. Et du coup, comme il est très typique, il y a plein de films, je pense, vintage qui doivent être tournés ici. Et Clément, d'ailleurs, va nous les citer puisqu'il a fait une petite recherche lui aussi. Voilà. Donc vous avez par exemple, je vais vous citer les 5 plus connus, évidemment, hein, donc qui est Stardust. Stardust, le mystère de l'étoile de 2007. Bien évidemment, il y a Cheval de guerre de 2011. Bien évidemment, il y a Wolfman de 2010. Où vous trouvez encore Robin of Sherwood entre 84 et 86, qui devait être une série. Ou encore l'épisode avec Hercule Poirot. Et d'ailleurs, la vendeuse m'a dit qu'il y avait parfois des cars de touristes qui viennent parfois de Chine même. Donc c'est vraiment c'est pour une... vous donner la popularité de ce village. Ah ouais. Donc voilà, vous en savez un peu plus. Vous avez vu comme je les soigne. Chaque jour, je leur donne de l'eau. Chaque jour, je désherbe autour d'elles avec un soin méticuleux. Regarde, t'es comme Hercule Poirot. Ah oui. Donc là, je suis dans mon jardin. Je jardine. Je m'énerve et je jette un cucurbitacé par-dessus mon épaule. C'est ça, non? Exactement ça. Donc t'es pas contente parce qu'ils grossissent pas alors que tu leur donnes de l'amour. Le gars, il s'est refait tout le film. Caméra. Coucou! C'est dans la maison? Hein? Non, ça va? Viens! Je vais trouver mon chat de glace!
château de glace où il y avait ma soeur. On s'est incrusté dans le jardin du cottage de luxe. Et c'est très joli. Je vais dans mon château de glace. T'as pas l'impression qu'on commence à rentrer un peu trop dans un endroit où on n'a pas le droit d'aller, Marion? Bon, non, mais là c'est le jardin du truc, c'est pas. Ouais. C'est... Là ça va. Ouais, c'est joli en tout cas. C'est pas froid. Je reste loin de vous, mes parents. On a terminé notre infiltration. Alors, c'était comment, Marion? C'était très mignon. Est-ce que t'as eu peur? Peur comme vous. Comme qu'est-ce que vous faites dans nos jardins? Eh ben j'aurais dit what? Sorry, I don't speak English. I don't speak English. Ouais, voilà, tu fais des fautes. Je crois qu'en fait toutes les maisons qui sont à ta droite, ça, Marion, c'est appartient à l'hôtel. Oui. Parce qu'il y a des gens en valise qui sont en train de des maisons. C'est genre des petits cottages. Et c'est pour ça que là-bas, derrière nous, à peu près là, à ce panneau, il y a écrit interdit de rentrer si vous appartenez pas à l'hôtel. Pourquoi on n'a pas un petit cottage, nous, Marion? C'est exactement la question que je posais à Clément quand on était en train de se balader. Il nous faudrait peut-être un petit cottage. On va regarder les prix, se renseigner, voir si un petit cottage, ça pourrait nous convenir, quoi. On sait jamais, imaginons, il y a confinement et on se dit, bah, où est-ce qu'on pourrait loger? Voilà, n'hésitez pas à regarder deux fois plus de pubs parce que je pense que ça coûte cher quand même. J'ai pas compris. Cliquez sur les publicités. On me fait le pour de vrai. 1, 2, 3. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. C'est pas ça. Allez, montre à papy, fais le pour de vrai. Mange pas de carottes, mange pas de carottes. Fais le pour de vrai. 1, 2. Libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Libéré. Alors? C'est pas mal, hein? Il y a Nick qui nous a confié. Donc Nick, la personne chez qui il y avait toutes les voitures très sympathiques, chez qui on avait dormi, qui m'a confié qu'il mangeait le matin des Weetabix. Et le soir, matin et soir, il se faisait un petit enquête de Weetabix quand il a un petit creux vers 21h. Et nous, on s'est dit, on va goûter, on veut voir ce que c'est le petit déjeuner à l'anglaise. Voilà, et donc c'est très bizarre pour l'instant. Ça se présente comme ça. Et une fois que c'est sorti, ça se présente comme ça. Donc en fait, c'est une petite galette d'avoine compactée, c'est ça? Ouais, on dirait une petite galette d'avoine compactée. Qu'est-ce qu'ils disent? Ça a l'air très bizarre, mais on a acheté juste pour goûter. Haut en fibres, bas en sucre, 100% blé complet, avoine. Encore de ça, maman. On va descendre la table. On dirait des céréales genre compactées que tu mets dans ton bol et qui se décompactent. Ben c'est ça. Ah, c'est ça. Bah oui, c'est ça, c'est qu'après ça se... Et ça sert à quoi de les vendre compactées? Non mais faut peut-être les laisser tremper, je sais pas. Tu devrais regarder un tuto sur internet. Tes retours sur Weetabix? C'est très bon. C'est pas sucré. Si tu rajoutes des petits trucs dedans, ça doit être trop sympa. Mais des petites pépites de chocolat, des fruits, des graines. Des framboises même, on peut mettre. Encore une fois. Avec Capucine, on a découvert le beurre de cacahuète. Mais là, dedans, c'est des cacahuètes grillées et avec encore des petits morceaux, c'est trop bon. Miaou! Mais il faut pas trop en manger, c'est hyper gras. Ça te plaît, Capucine? Oui. Oui. Ça va? Mais arrête de me filmer! Mais pourquoi tu me filmes? Arrête! Rends-moi ça! Aujourd'hui, on avait un petit problème, le voyant de la batterie s'allumait tout le temps. Non, et... mais attends, cette vidéo, tu vas pouvoir l'appeler Nous sommes poisseux, vous n'allez jamais y croire. Encore une galère! On a plutôt de la chance, je trouve, de manière générale. On a des problèmes, mais ils se résolvent facilement quand même. Voilà. Du coup, le voyant de la batterie restait tout le temps allumé. J'ai cherché sur internet et j'ai trouvé un garage spécialiste Citroën. Et ça m'a amusé parce qu'il a plein de vieilles voitures. Donc je me suis dit, bon, on va aller là. Autant aller là plutôt que dans un Renault ou un truc comme ça.
Du coup, on est là et en fait, on a démonté la roue et on a un problème avec une courroie qui est complètement cassée. Il faut savoir que c'est cette courroie qui faisait un petit bruit déjà depuis un petit moment. Donc c'est la courroie de l'alternateur et on a de la chance qu'elle ne se soit pas prise dans les autres courroies d'ailleurs. Donc voilà, donc on va essayer de réparer ça. Et on va en profiter également pour essayer de réparer le pot correctement. Oui, parce qu'à la base quand même on était venu pour le pot qui faisait un sacré grincement bizarre. Parce que le pot fait du bruit parce qu'en fait comme il n'est pas enfoncé à fond, il tape un peu un endroit sur la carrosserie comme il devrait être décalé un petit peu. Donc il est sous un longeron et il fait toc 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 sous certains régimes moteurs. Et comme j'ai essayé de trifouiller pour le remettre bien et que j'ai pas réussi, maintenant c'est pire. J'ai l'impression qu'il fait un grincement encore pire. Ouais. Et du coup, depuis ce matin, il y a le voyant de la batterie qui s'est allumé. Heureusement, ça aurait pu être depuis demain. Depuis hier soir, exactement, en fait. Ah, exactement. Certains me disent, on me dit dans l'oreillette que c'est depuis hier soir. Oui, voilà. On espère pouvoir réparer tout ça. Mais du coup, ouais, heureusement quand même que c'est depuis hier soir. Parce que on a quand même dans notre malheur de la chance, parce que ça aurait pu se déclencher dans 3 jours, par exemple. Et on se serait dit, oh non, encore une pomme, on doit retourner voir un garagiste. Là, au moins, il nous fait la batterie, enfin la courroie et l'exhaust et le pot d'échappement. Marion est un peu anglais. Do you change my exhaust, please? Ouais, voilà, à peu près. C'est à peu près ce que j'ai dit. Ah ouais, grave. C'est trop bon pour parler. Donc, on est parti du garage spécialiste de Citroën et qui pouvait pas réparer notre, qui pouvait pas même au regard. Enfin, il a vite fait resserrer, mais il pouvait pas regarder notre pot plus en détail parce qu'il n'avait pas de pompe pour soulever. Donc voilà. Donc il nous a dit peut-être aller à côté, il y a un mec qui répare des camions. Donc on est allé. On doit attendre une petite demi-heure, il va nous soulever sur son pont. Pardon, excusez-moi. Et donc voilà. Donc il a remplacé notre courroie dans le petit truc d'avant. Et tout marche correctement désormais. Donc voilà. Donc nous allons juste attendre notre petite demi-heure, tranquillou. Ah, je vois qu'on s'est fait un petit plaisir au magasin. C'est quoi? Un tiramisu. Non mais de temps en temps on peut s'octroyer des plaisirs quand même. Fais-moi goûter maman. Ah, bah oui bien sûr. C'est bon, miam miam. Voilà, on est enfin reparti et j'ai l'impression que ça grince plus sous mes pieds. Donc en fait, il nous a monté le camping-car sur le pont et il a donné des gros coups de masse dans le pot pour le réemboîter un peu plus et pour que ça évite de toucher le châssis. Mais pour autant, le problème n'est pas réglé parce qu'en rentrant en France, il va falloir quand même qu'on change la partie avant du pot d'échappement parce que je pense qu'elle est... Elle est mal fixée et c'est ce qui fait que ça avait cassé la première fois. Donc voilà, pour la fin du voyage, normalement ça devrait le faire. Et voilà, on peut continuer de voyager. J'espère que c'était la dernière panne. Je croise les doigts. Et donc on va pouvoir continuer le voyage et normalement on se retrouve à la cathédrale de Gloucester dans très peu de temps. À toutes! On vient de rentrer dans la cathédrale de Gloucester. Et on a des guides en français. Wouh, et ça c'est rare. Elle est magnifique, elle est énorme. J'ai rarement vu des bâtiments aussi gros au niveau religieux. Un des plus grands bâtiments de Grande-Bretagne. Un des plus grands de Grande-Bretagne? 1300 ans d'histoire, de croyances et de patrimoine chrétien. Bon bah voilà, on part déjà. On a un peu bâclé cette visite. Mais c'était très sympa. Il y a le prêtre. Bienvenue.
Voilà, on aura fait notre petit tour un peu trop rapidement parce que à la fin on a pu faire que 10 minutes à peu près. On n'a même pas eu le temps de rentrer dans le... Comment, je sais pas comment on appelle ça. Au tout milieu, là, le petit jardin. Ouais, on a pu faire un tour dans le cloître qui est visible à plusieurs reprises dans le film. Mais on n'a absolument pas pu rentrer dans le petit jardin qui est à l'extérieur du cloître. Tellement on a pris du retard. Mais Marion, t'as pu voir les autres trucs, toi? Ouais, bah oui, mais je pensais pas que ça fermait si tôt. Mais moi, quand je visite, j'aime bien prendre le temps. Mais du coup, ce soir, ça m'a trop donné envie de regarder Harry Potter. Voilà, donc on va voir. Peut-être qu'on reviendra demain pour pas avoir courir, parce que pour pas avoir couru. Parce que l'entrée est gratuite. Hein, Marion, l'entrée est gratuite? Oui, mais ton suggéré, donc on a donné un petit quelque chose quand même. Ah, vous êtes là? Aujourd'hui, on se retrouve à Gloucester. Là, on a fait une petite halte dans un restaurant qui est bien sympathique, très typique, et en plus, et surtout, il est vegan friendly. C'est chaud? Un peu chaud peut-être. Regardez, c'est des choux-fleurs panés avec une sauce barbecue par-dessus. Alors, ils aiment bien mettre de la sauce un peu partout. C'est une des plus grosses cathédrales d'Europe. Elle est magnifique, surtout le cloître où on est, qui a été utilisé pour jouer beaucoup de scènes de Harry Potter. Donc regardez, ici c'est trop joli. Donc, voilà. Et donc dans la scène, je vais faire un petit réglage pour Marion. Hop, que vous ayez une vue un peu plus d'ensemble. Donc dans la scène, Harry Potter arrive par là avec ses deux compères. Et hop, Harry Potter entend des voix. Donc il se déplace. Et j'invite Marion à reculer désormais. Ils sont ici, ils disent « Ah, qu'est-ce qui se passe ?» Elles viennent d'où ces voix? Le sol est mouillé. Plaf, 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 plaf. On recule. Et donc voilà, on continue. Et ici, ils arrivent. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Sur le côté du mur, on voit des araignées. Hein? Des petites araignées. Mais ce n'est pas normal de voir des araignées. On arrive au niveau du mur où est écrit au sang la célèbre phrase « La chambre des secrets a été ouverte. Ennemi de l'héritier, méfiez-vous. » Ici. Et juste là, c'est où Mistaigne est accroché, le chat du gardien. Mistaigne, c'est un chat. C'est quoi ça? La chambre des secrets a été ouverte. Ennemi de l'héritier, prenez garde. C'est écrit avec du sang. Jette de Rusard. C'est Mistaigne. Vas-y. Là, il y a tous les élèves qui arrivent. Ils disent, qu'est-ce qui se passe? Et là, de ce côté-là, il y a le méchant élève qui arrive et qui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, il y a Dumbledore qui arrive et qui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu fais bien tous les protagonistes. Je fais bien les protagonistes. Voilà, donc c'est très sympa. Et c'est ici que tout se déroule. Voilà, on peut même voir le plan de plus haut, bien évidemment. Comme ça. Avec les deux couloirs. Et donc voilà, c'est exactement ici. Faut dire qu'au-delà d'Harry Potter, c'est quand même un décor qui est magnifique. Et je trouve qu'il est assez emblématique du film et qui transmet quelque chose dans l'énergie du film assez forte. Vous êtes un fervent inspecteur, vous arrivez à trouver le moindre petit détail. Et j'ai réussi à trouver l'endroit où passent les araignées. C'est ce carreau. C'est ça, c'est pas, mais... Donc voilà.
J'ai remarqué ça grâce à ce petit dénivelé, ce petit trou. Les carreaux qui sont ici, les carreaux qui sont là, une multitude de petits détails qui font de moi un très bon inspecteur. On refait la photo ou pas? Oui. Là, on se retrouve dans l'endroit où ils vont voir Hermione qui est dans les toilettes avec le géant. Et ce qui se passe en fait, c'est qu'ils vont se cacher ici sur le côté. Ils sont en train d'aller vers le couloir. Et devant moi, exactement là-bas, ils voient une ombre. Alors ils décident de se cacher ici. Vite! Hop! Ils sont cachés là. Comme ça. Waouh, on est cachés. Et qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? J'ai vu une ombre. Ce qui est amusant, c'est que ici, Marion, il y a une scène ici qui a été tournée où Harry Potter se tient là. Il est adossé à ce mur-là. Il est comme ça, tranquille, regarde les vitraux, chill. Après, ça se voit que c'est un très récent. Oui, c'est un plus vieux parce qu'il est adulte. On vous mettra la photo, mais je sais plus duquel c'est. En tout cas, c'est drôle de se dire qu'il est là et qu'il est tout simplement ici. Pour les grands fans, je touche là où il a touché. Attention, un ogre. On s'amuse. Maintenant il fait soleil. Maman, tu m'as vu? Regardez, je vais vous montrer quelque chose de rigolo. Ici, comme aux États-Unis, sur tous les bancs, vous avez une petite plaque ou alors quelque chose de gravé en la mémoire de quelqu'un qui est décédé. Donc là, il y a écrit « In loving memory of ». Voilà. Et c'est partout comme ça, même dans les parcs nationaux ou aux Seven Sisters, partout, tous les bancs, ils sont gravés. Ou alors, il y a la plaque. J'ai trouvé deux plumes. Waouh, une bébé et une maman. Hé hey, pourquoi tu fais une bêtise, toi? T'es pas bleu, tu souillais parce que j'ai du couleur. On se refait un dernier tour et on y va. Regardez, faut que vous voyez ça. Pour inciter les gens qui sont venus ici gratuitement et qui sont venus principalement pour Harry Potter, ils ont utilisé la police d'écriture de Harry Potter pour inciter les gens à faire une donation. J'espère que vous avez passé un bon moment avec vous. Voilà. On arrête là pour cette petite vidéo et pour cette semaine. On part direction nous plein de petites surprises pour la semaine prochaine en rapport avec la série Sex Education qu'on a adoré avec Marion. Et on va se dire au revoir. Au revoir. Tchou.